Boxing Mag TV avait planté ses caméras au Zénith de Paris, La Villette, pour ce qui était une soirée intitulée La Conquête deuxième round, organisée par Ringstar France et Canal+. Le main event, bien sûr, c'était la très attendue deuxième sortie du champion du monde et champion olympique Tony Yoka, donc, qui se produisait pour la deuxième fois chez les professionnels. La salle était complète, c'était véritablement sold out, avec un Tony Yoka qui a dû travailler, s'employer et chercher des solutions pour remporter une victoire au point, avec entre 2 et 6 points d'avance. Un juge donnait 2 points, le second 4 et le troisième 54-60. Tony Yoka qui a quand même mis 3 reprises avant de pouvoir développer sa boxe et trouver des solutions pour faire reculer son adversaire et commencer à engranger des points. L'adversaire, il était classé 50 classes au-dessus de moi. On est rentré dans le top 10 avec cet adversaire-là. J'avais pas envie de perdre plus de temps que ça à boxer des boxeurs en troisième zone. On a pu voir qu'il était, il était très très puissant. On sentait l'impact des coups. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure des rounds, je me suis de mieux en mieux senti. Et voilà, l'apprentissage avec Virgil Hunter porte ses fruits. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait parier chez lui ? J'ai eu du mal à imposer ma boxe dès le début. On a pu voir que je travaillais d'abord au corps au lieu de monter à la face parce que c'est un adversaire qui est très sur la défensive. Et au fur et à mesure des rounds, bah voilà, j'ai pu imposer mon jab et j'ai pu commencer à marquer vraiment beaucoup de points. Sa droite, tu t'étais prévenu de sa défense. Bien sûr, elle est quand même passée quelques fois. Elle est passée quelques fois, c'est la boxe. Hein. Même si sur 100 droites qu'il va tenter, je vais en prendre au moins 2 ou 3. Maintenant, le tout, c'est de ne pas aller prendre de points de plein fouet. J'ai pas forcément vacillé, j'ai pas été mis par terre, donc ça s'est bien passé. La sensation de la soirée, c'est notre ami Souleymane Sissoko qui a brillamment remporté son combat par KO à la première reprise. C'était seulement sa troisième sortie chez les professionnels. Ça reste bon à prendre, hein. Toute victoire reste bon à prendre. C'est vrai que ça allait un peu vite parce que moi je m'attendais à faire 8 rounds. C'est un adversaire, on l'a dit, hein, 17 combats, que 3 défaites. Numéro 1 ukrainien, je m'attendais à faire plus de rounds. C'est pour ça que je ne me suis pas précipité, je prenais mon temps, je le laissais un peu boxer, mettre des coups. Bon, je l'ai touché au corps, j'ai été précis et ça allait plus vite que prévu. C'est le plexus, c'est ça Exactement, un uppercut droit au plexus et il pouvait plus se relever. T'as senti que... J'ai senti au niveau du cou, j'ai senti, il a fléchi, je me suis dit, il va pas se relever. Bah, aux États-Unis en tout cas, on a beaucoup travaillé le corps. Ouais. Le jeune Hunter, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler le corps. Là, je l'ai touché au corps, donc il doit être très content. Pareil avec mon coach Ali, on travaille beaucoup, beaucoup au corps. Et après la progression, je la vois aussi à l'entraînement. Et tout ça, c'est une continuité de l'entraînement pour moi. Tout ça, c'est une continuité de l'entraînement. Et puis voilà, après je vais continuer encore à travailler, continuer à essayer de faire le maximum de rounds. Bon après on va pas se plaindre, hein. Un combat qui s'arrête au premier round, bah, on va le prendre quand même. Dès ton entrée sur le ring, on a senti que le public était vachement là pour toi. Toi tu l'as entendu déjà à ce moment-là aussi ou c'était... Bien sûr, je savais qu'il allait y avoir énormément de monde pour moi ce soir parce qu'on est dans le 19e arrondissement. Je suis 19e arrondissement. Voilà, je savais qu'il allait y avoir énormément de monde et je l'ai ressenti, ça fait vraiment chaud au cœur. Le Sissoko, ça m'a rappelé un peu les Jeux Olympiques de Rio où il y avait le public brésilien qui criait Sissoko, Sissoko. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions à gérer, surtout avant le combat. L'ancien champion du monde des super welter, Carlos Molina, donc, qui était opposé à Ahmed El Moussaoui. Ahmed El Moussaoui qui a brillamment remporté son combat, qui avait à cœur d'en découdre, de marquer les esprits et de confirmer que les ambitions qu'il affiche sont bien légitimes. Nasser, félicitations. Merci. Très beau combat, pas du tout facile, boxeur expérimenté. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce combat, ce choix de combat
et comment s'est passé ? Là, le combat tactiquement il s'est déroulé comme nous on voulait. C'est-à-dire on voulait vraiment une large victoire au point. On voulait qu'Ahmed il s'impose et on voulait surtout pas que il gagne avant la limite pour qu'on dise qu'on a rencontré un boxeur fini, etc. Parce que c'est pas un boxeur fini. Alors Ahmed, je lui ai dit, écoute, si tu dois gagner avant la limite, tu le fais, mais ne cherche pas. Je préfère une belle victoire au point qu'une victoire avant la limite. Parce pourtant, que c'est stratégique. Pourtant, il a touché au deuxième, premier round. Oui, le danger, il était là. Parce que si conclut avant la limite au deuxième round, moi, je suis content. Mais je sais que le public va critiquer parce qu'on a un public d'experts. Le public, il va dire, ouais, s'il est tombé au deuxième round, c'est que c'est un boxeur sur le retour. Non, c'est pas un boxeur sur le tour. Et il nous l'a prouvé parce qu'il s'est fait toucher au deuxième, mais il a fait 8 rounds derrière. Et il a fait 8 beaux rounds. Et si on allait sur un titre avec un 12 rounds, il aurait terminé les 12 rounds. C'est un boxeur qui a de l'expérience. Il a rencontré Chavez Junior, il a rencontré Ishe Smith, il a rencontré Eris Landis Lara. C'est un bon encaisseur, surtout aussi. C'est un bon encaisseur. Personne ne l'a battu avant la limite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, stratégiquement, nous, ce qu'on voulait, c'était une belle victoire au point. Et surtout qu'Ahmed ne fasse pas ce qui a été son défaut pendant longtemps. C'est-à-dire se mettre dans les cordes et être passif. Et là, il a été agressif dès le premier round. Il a été agressif, il n'a pas eu trop de passages à vide. C'était vraiment comme on l'espérait, vraiment. En tout cas, félicitations Nasser. Merci. Prochain objectif, prochain projet. Normalement, au mois de comment décembre. Tu vois le plan de carrière de Ahmed ? Parce que ça fait longtemps qu'il boxe maintenant Ahmed et on le suit. C'est une carrière propre jusqu'à maintenant, voilà. Vraiment propre. Il faut savoir qu'Ahmed, il a déjà battu Junior Witter qui avait été champion du monde WBC. Il a battu Junior Witter, ancien champion du monde WBC. Maintenant, il vient de battre un ancien champion du monde IBF en la personne de Molina. J'ai entendu IBF, quelle fédération ? À côté de moi, des journalistes m'ont dit fédération mineure, majeure. Dis-moi là. C'est une fédération majeure. On a 4 fédérations majeures, la WBA, la WBC, l'IBF et la WBO. Okay. Et celle qui est considérée comme la plus sérieuse, c'est l'IBF. Et lui, au moins c'est clair parce qu'il y avait des. Il a été champion du monde IBF Molina et donc c'est le deuxième champion, c'est le deuxième ancien champion qu'il affiche à son palmarès avec des victoires. Et il faut savoir qu'il a boxé en Nouvelle-Zélande contre l'Australien Jeff Horn, ouais. Qui est maintenant champion du monde WBO. Il a pris le titre à Manny Pacquiao et Ahmed a simplement perdu au point parce qu'il avait des blessures aux épaules et aux biceps. Voilà, et là il m'a fait plaisir. Et prochain combat, tu m'as dit la date, j'ai pas... Au mois de décembre, ça sera au mois de décembre, tout le temps avec Ringstar, et on espère avec un titre en jeu. Pas un championnat du monde tout de suite, mais une ceinture intercontinentale, ou quelque chose qui nous rapproche du niveau mondial. Un petit mot sur le gars d'organisation. Très belle organisation, il n'y a rien à dire. Des organisations comme ça, on en veut tous les jours en France. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque. Merci. Amen. Alors champion, félicitations. Merci, c'était un combat tactique. Et même si pas malgré le knockdown au deuxième round, on savait qu'il fallait pas se jeter face à lui parce qu'il a énormément d'expérience. J'aurais pu manger un compte derrière, donc j'ai pris mon temps et voilà, la tactique c'était de rester à distance, c'est ce qui a fait la différence, et la vitesse. Félicitations Ahmed, des bonnes continuations. Vas-y, on va avoir le contrôle anti-dopage. Ok, bon courage. Là, il faut pas qu'il... Merci Ahmed. Il a une heure. Merci pour la serre, bien sûr. Enlevé de rideau, nous avons également assisté au début chez les professionnels de Eli Conky, un ancien de l'équipe de France, 7 fois champion de France, 103 combats disputés chez les amateurs. On lui opposait Santiago Sandezebio, un boxeur lyonnais. Il l'a maîtrisé de bout en bout, donc un combat qui s'est déroulé en 6 reprises. 60, et donc déclaré vainqueur de ce combat, Eli Spider. J'ai envie de te dire que tout s'est passé comme prévu. Voilà, moi je me suis préparé depuis le 2 juin. Malheureusement, je devais boxer le 2 juin avec la soirée de Tony. Ça ne s'est pas fait puisque je me suis blessé un mois avant l'échéance. Donc quand je suis revenu de blessure, je me suis direct mis dans le bain. Depuis le 2 juin, je me prépare et aujourd'hui ça a payé. Donc j'ai su réadapter ma boxe avec mon staff, avec mon club et mes entraîneurs, les frères Alab.
Toujours la Team Alab, toujours. Toujours la Team Alab, on reste fidèle. Voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle aventure qui commence. J'ai connu les Jeux Olympiques, j'ai connu les championnats du monde, championnats d'Europe. Aujourd'hui, j'aspire à devenir champion du monde et prendre toutes les ceintures qui seront sur mon chemin tout au long de ma carrière. Donc voilà, je pense que je suis un boxeur à prendre vraiment au sérieux et j'aspire vraiment à de grosses choses. J'ai vu ta façon de boxer, ça a changé un petit peu en amateur. J'ai vu que tu n'hésitais pas, mais tu calculais beaucoup tes coups, tu cherchais. J'avais l'impression que tu imitais un boxeur cubain. Voilà. J'ai le coudé quand même ou non? C'est ça, exactement. Donc moi, voilà, je suis pas fan, mais j'admire beaucoup ce boxeur, Guillermo Rigondo. Et le Chacal, aujourd'hui dans mon club, on m'appelle le Chacal. C'est pas pour rien, voilà. Donc c'est un boxeur que j'admire et que je trouve pour moi efficace. Donc j'essaye de copier. S'inspirer. Je m'inspire beaucoup de lui, voilà. Ok, parfait. Bah écoute, je te souhaite une très belle carrière, une bonne carrière, riche humainement et matériellement aussi, il faut le dire. Et bonne continuation et à la prochaine, mon ami. Merci. Bravo. Merci pour lui. Je vous en prie. Et puis nous avons également assisté au début professionnel de Farhad Saad. Farhad Saad, un boxeur de Dombasle qui était un compagnon d'armes de Tony Yoka à l'époque de l'équipe de France en cadet, en junior. À ses côtés, il a participé aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Un garçon qui avait été également sacré deux fois au niveau national chez les cadets et les juniors et qui était opposé au Rouennais Guillaume Radix. Lui aussi a dû quand même s'employer, mais il a remporté son combat au point et d'une manière assez nette. T'as été combien de temps, Saad? 5 ans. 5 ans d'arrêt. Et tu reviens en pro et tu reviens performant. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Franchement, félicitations, Saad. Bon, tes prochains projets alors, t'as un contrat avec qui? C'est qui tes entraîneurs? Je suis chez Ringstar. Mon prometteur, c'est Jérôme Abitbull, je suis dans l'équipe à Tony. Je vais m'entraîner à Miami bientôt avec Pedro Diaz. Et pourquoi 5 ans, t'étais où, Saad? J'étais un peu partout, je fais plein de choses dans ma vie. Après voilà, là, je me suis remis dans la boxe, heureusement. Dernière petite chance qui s'offre à moi, on l'a saisie. C'est incroyable, t'arrêtes 5 ans, tu reviens en pro, t'as été bien, t'es à l'aise. Ça fait du bien peut-être les 5 ans? Ça fait du bien, après ça fait un peu bizarre quand on revient. Tu vois, 5 ans, ça fait beaucoup, tu vois. Mais je suis revenu et ça fait plaisir, tu vois. Un petit mot sur le combat Tony. Bon, il boxe toujours là pour l'instant, mais qu'est-ce que tu penses ce gars-là? Tony, c'est un très bon ami à moi, on s'est rencontré quand on avait 14 ans. Et on a beaucoup de vécu ensemble, c'est une bonne personne. Et puis le sportif aussi, il a des belles choses à faire chez les professionnels, autant qu'un amateur, il mérite en tout cas. Et puis c'était enfin en 7e combat le retour de Bilal Chkitou qui rencontrait le Marseillais Selim Ben Rejeb Rokli, un combat plaisant, intense, âprement disputé avec le cadet de la famille Chkitou qui a brillamment remporté donc ce combat et qui est toujours invaincu. 59, une fois 54, 60 et déclaré vainqueur de ce combat, Bilal Chkitou. Combat difficile parce qu'il y avait une grosse pression, c'est un gala attendu, il y avait beaucoup de supporters de Nanterre qui sont venus, 200, plus de 200 même. Un adversaire solide, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être plus facile, je l'ai pas sous-estimé, hein. J'ai fait une grosse préparation, mais franchement il a répondu présent, solide, dur, et il m'a quand même touché un peu, même si l'impact des coups je le sentais pas trop, mais voilà, il a touché quand même des coups précis, mais voilà, j'étais pas affolé, je manquais un peu de caisse peut-être pour le finir. J'ai pas beaucoup de combats amateurs. Sachant que le chaos c'est un accident souvent. Exactement, c'est un accident, c'est une prise de risque. Donc prise de risque, qui veut dire prise de risque? Veut dire danger, donc je préfère pas prendre de danger. C'est pas que j'ai peur, mais voilà, la boxe, si on connaît la boxe, si je prends un mauvais coup et que je tombe, et ben je passe aux oubliettes et c'est pas ce que je veux faire. Donc au moins je fais mes rounds, j'apprends le travail, je suis encore jeune, j'ai pas beaucoup de combats amateurs.
Donc je travaille, même si je gagne au point à chaque fois et qu'on me reproche ça, je m'en fous. Je boxe. Tant que j'ai gagné, c'est le principal. Bon, donc félicitations. Merci, frérot. Chiquito, champion. Alors, prochain combat. Alors, il y a une organisation au Mazagan, à El Jadida, au Maroc. Donc là, Inch'Allah, ça sera Chiquito trois fois. Il y aura Rachid Chiquito qui remettra sa ceinture de champion du monde WBF au Maroc. Moi, une première au Maroc, je vais boxer en lourd léger. Et Bilal Chiquito, Inch'Allah, qui fera son huitième combat. C'est une bête, Bilal. Souvenez-vous de lui, c'est une bête. Souvenez-vous de lui, les gars, c'est une bête. Et puis Michel Tavares qui rencontrait un boxeur de Corbeil-Essonne, Blaise Pacquia Moukia. Là aussi, Michel Tavares qui a disputé le combat avec beaucoup de brio et qui a lui aussi confirmé tous les espoirs que l'on place en lui. Je connais bien ton frère, il a du punch aussi. C'est une famille de puncheurs ou quoi ? Ouais, c'est une famille de puncheurs, de bosseurs. Après, c'est comme on dit, c'est Dieu qui décide. Hein. Et le punch aussi, soit on l'a, soit on l'a pas. Exactement, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais bon, pour faire mal à un adversaire, il suffit d'être précis et rapide. Les deux combinés, ça fait un minimum de frappe. Prochain combat ? Bah, le prochain combat, il est prévu pour novembre ou décembre, si je me trompe pas. Donc ça va arriver très vite. Un petit mot vite fait, comment tu vois l'avenir de la boxe ? Comment tu vois l'avenir ? Bah, je pense que la boxe en France, depuis les Jeux, bah, y a un gros engouement sur ça, donc franchement, je pense que d'année en année, de mois en mois, la boxe ça va grandir en France et dans les cœurs des Français. Et ta carrière ? Comment tu la vois ? Ma carrière, bah, j'ai signé un contrat chez Ringstar, chaque son en son temps. Je ne dis pas tout mon secret, mais il y aura des bonnes choses à venir. Michel Tavares ! Voilà, une belle soirée avec plus de 5000 personnes, le direct sur Canal+, et des gens satisfaits, enthousiastes et pressés de revenir et de revivre de tels événements. Voilà, Jean-Pierre Cossegal pour Boxing Mag TV qui était en déplacement une fois n'est pas coutume dans la capitale.